Thank you.
Eh bien, quel plot twist de révélation et d'autres choses dont j'ai oublié le nom. Bonjour à tous et à toutes, je suis Arius, c'est aujourd'hui la fin du second procès de l'épisode 4 de Trials and Tribulations, la volte-face initiale ou l'inverse, je ne sais plus, dans lequel le jeu, je l'ai déjà dit, je vous maintiens, aurait dû le foutre en premier épisode, parce que là, tous les twists scénaristiques sont grillés depuis un moment. Et donc cette fois-ci, nous apprenons que Melissa Foster et comment ça s'appelle, Penelope Plantude, je ne sais plus, la policière, ainsi que l'accusé Flarry May étaient tous les trois dans un coup d'un diamant de 2 millions de dollars, et nous devons donc faire tomber Melissa Foster. Déjà, elle ne s'appelle pas Melissa Foster, nous le savons. Et oui, l'introduction était extrêmement longue, de 7 minutes, mais que de révélations! Innocente, je ne crois pas. Et le mobile, super important le mobile. Et je suis sûr qu'il y a un mobile. Tout à fait. Tout à fait. Ah oui, et ce mec, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est Godot. Voilà. Parce qu'il a une tasse de café, il a un bouc. Et il est pas encore vieux, il est jeune. Voilà. J'aimerais dire quelque chose. Moi j'aimerais que t'avoues. Moi j'aimerais bien. J'ai oublié le breakdown de ce personnage. J'ai complètement zappé comment elle montrait sa faiblesse. Qui mis le what dessus. Bien, ton témoignage, s'il te plaît. Enfin, est-ce qu'on peut avancer? Oh là là. Ok, on va qu'ils m'en disent plus. Oui. Ah oui, oh, c'est extrêmement bizarre ça, va falloir que tu m'en parles. Oui. Et non, vu que t'étais au courant. Donc voilà. Hein? Ah voilà. Moi je vais l'impliquer d'une manière, tu vas voir. Déjà, on va attaquer la première déposition. Ouais, dis-moi en plus, s'il te plaît. Nous? C'est qui ce nous? C'est qui le nous? Tu as tout perdu. Ah oh, mon dieu, pauvre petite fille. Tes joues coulent sur mes larmes. Bah, insistons, insistons. Dans quel pays tu étais? Je veux savoir. Bah non. Oui, en effet, justement. Eh ben voilà ce que je voulais entendre. Ouais, c'est tout ce que je voulais entendre. C'est même elle qui le demande. Alors, que demander d'autre, hein? Alors, m'en fous. Je m'en fous. J'étais allé. Oui, ça se tient. Oui. Objection!
Ah lol, c'est drôle, Hunter. Je crois qu'à crime, il n'y a pas eu de S. Ok, je vérifie. Qu'est-ce que... Comment que quoi? Ouais. Tcha tcha tcha. Mais c'est qu'elle en sait les choses. Elle en sait plus qu'elle n'en faut. Oui. Ah sûrement. C'est impardonnable. Eh bien, nous allons la faire rajouter. Parce que... Eh oui. Ah oui, oui. C'est super important, j'ai envie de dire. Ouais, même Hunter ne voit pas d'inconvénient. Dommage. Eh, oh, tu te calmes. C'est mon client. C'est mon client, c'est moi qui dis. D'abord. Non. Non mais où, hein? Ah c'est bizarre. Est-ce que tu parles de cette écharpe? Hein? Est-ce que tu parles de ça? C'était totalement volu. Regarde bien cette photo. Une photo très photogénique en noir et blanc. Avec ton appareil photo qui fait du noir et blanc quand même. Voilà. Comment sur la photo on voit qu'elle est blanche? C'est la question. Blanche alors qu'elle est bleue? Ah oh, c'est très la bizarrerie. Mais comment se fait ce... Étrange, étrange que tout cela. Je suis abasourdi. Je joue très très bien l'émotion, la surprise. Ah, oh, ce détail est super important. Et oui, elle est zéro blanche. Blancheur zéro, elle n'a pas utilisé du skip machine qui rétablit les couleurs. Elle était blanche, est-ce c'est parce que elle a lu la note de la victime qui se trouve juste en bas? Non, en bas. Non, le pad, merci. Elle prend ça! Oh, c'est bizarre parce qu'il y a marqué blanche dessus. Quelle étrange étrangerie! Incroyable! Il est écrit une écharpe blanche en signe d'identification. Parce qu'une écharpe, c'est tellement saut 2008. Et oui! Ah oui, oui, oui! Tu vas faire, hein? Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, ouais, bien sûr. Parce que c'est bizarre. Comment elle la connaît, cette note? C'est bizarre, hein? N'est-ce pas? Et une autre personne. Oh, révélation. Mais qui était-ce? Vous ne le savez pas. Allez, cherche avec moi. Qui était-ce? Un indice en bas de chez vous. Parce que la troisième personne, c'était la sœur de Valérie. Elle s'appelle Dahlia. Prends ça. Eh oui!
lui dire la vérité. C'est une note. C'est... Bah... C'est évident. C'est... la sœur. Voilà. Hunter le dit. Donc... voilà. Elle est décédée. Elle est morte. Elle est morte de décès. Elle s'est suicidée. Un mange de suicide et de tuer. C'est vraiment la même chose en fait. Et oui. Bibi. Ouais. Pas de corps. C'est comme pas de bras, pas de chocolat. Hein. Pas de corps, pas de dessin. Mais dis donc, Mélissa, mais quel âge as-tu? Mais tu as 19 ans. C'est très la bizarrerie, donc. Je n'insinue rien. Je ferme. Et la twist incroyable que personne n'avait deviné, c'était sa sœur. Je suis surpris. La surprise me... m'envahit le corps. Surprise, motherfucker. Man. Surprise sur un révélation de ouf guenin. Je suis Fantomas. Comment? Qu'est-ce que... Pardon? Mais nique-toi. Alors attention. Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle... Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle un refus. C'est comment? C'est quand tu sais une preuve que tu ne l'as pas présentée et que quand tu le dis, et ben révélation twist, tout ce que t'as monté derrière, ben ça marche pas. Ils le savent depuis le début. Et oui! Non, même avec ça, ça marche pas. Je suis pas d'accord. J'ai envie de dire menteuse. Menteuse. Objection. Ah ouais? Bah oui. Bah j'ai envie de dire comme toi. Réfléchir. C'est un concept inconnu pour moi. Sa grande sœur. Ah mais pas du tout. Alors moi, sachez, monsieur Hunter, que quand j'affirme des choses, j'ai les preuves, voilà. Eh ben j'ai une preuve. Ah oui, j'ai une preuve. D'accord. J'ai rien dit. C'est l'autre. Objection. Oh mon dieu, une objection fond noir qui n'est pas une révélation. Je ne suis pas. Je suis overhypé. Je veux la défaite de ton client. C'est tout. Perdre ou gagner? Ok.
Vas-y. Allez, vas-y, je suis chaud. Allez, vas-y, tu veux qu'on s'adonne. Qu'on s'adonne. Bah, tout simplement à cause de la note, parce qu'il y est marqué à toute la vérité doit éclater. Apprends ça. Un jour, je ferai avec les vrais mots du film. C'est-à-dire les objections, c'est Hiyali. Et alors, attends, prends ça, je ne sais plus comment ça se dit. Ça doit être Mata. Mata, ça doit être plutôt... Attends, ou un instant, je ne sais plus. Je suis la langue japonaise sur 20. Et ouais. Et oui, ce bout de papier avec de l'encre dessus, c'était la preuve. Bien sûr que j'ai une preuve. Et je veux un témoignage en plus. Parce que je vais pas présenter la preuve de suite. Voilà. Voilà, voilà. Zbla, il accepte. Ma petite fleur d'érable, calme-toi. Calme-toi, le juge, elle a 19 dans moi. Peut-être 60, 70. Vous quoi, vous coquilles? Vos coquetteries, peut-être. Ça allait trop vite. Ah mon dieu, je dois verser une larme, peut-être. J'aime bien ce petit effet VHS dégueulasse. Et moi, je suis tombé. Ça se tient. Sauf peut-être que... Oh oui, c'est pas du tout ça en fait. Oh mon dieu. Combien d'années de psychanalyse avant qu'il oublie? Complètement, évidemment. Ah mais ce n'est pas ridicule. Oh là là. Modéré un contre-interrogatoire. Non. J'ai l'info. Bah le diamant. C'était un faux. C'était pas vrai. Il nous a dit tout à l'heure, c'était il y a au moins 20 minutes. De la révélation. Alors il y a 5 ans. Un peu de musique qui bouge. Parce que c'est cool la musique qui bouge. Oui, c'est cool. Ah c'est complètement faux. Ah parce que regardez ce pont. S'il n'a pas bougé, il y a comme Monsieur Fleury mais a dit qu'il était comme ça il y a 5 ans. Si tu tombes du pont. Tu te ramasses sur le caillou, donc c'est faux. Donc tu mens. Ah, j'objectionne. Objection. Objection. C'est une étrange étrangerie. C'était faux. Impossible. C'est mon deuxième prénom. Et mon troisième, c'est Mystic Maya. Mia, en fait. Parce que Maya, c'est ma soeur. Parce que pouf, le caillou. À moins que tu sois Batman, tu dois décider. Genre Scratch. Genre décès décédant. Tu comprends que tu mens. En même temps, il est pas content. Objection. Je suis pas d'accord.
à 12 mètres, et bah tu décèdes. Tu décèdes, tu décèdes. Et oui. Est-ce que c'est un mensonge? Qu'est-ce qu'il y a? Hunter, oui, tu veux essayer quelque chose. Encore. Mais... Oh mon dieu, c'est encore un stratagème. Un autre stratagème, ça alors. Elle aurait été poussée sur le côté et elle aurait fait splouf au lieu de sproch. C'est une révélation. Oh là là, sa jupe s'est prise dans les câbles. Les câbles faites en corde parce que pour un bon pareil. Oh là là, je suis... Ah, je suis pas d'accord. Parce que c'est pas vrai. Je vais utiliser ma capacité spéciale présentation de preuve. Mais c'est impossible. Parce que c'est impossible. Mais tout simplement parce que... elle est où? Elle est là. Parce que si tu regardes bien, il y a des cordes. Et ouais, il y a des cordes. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y avait des cordes. Double révélation de ouf, Gudan. C'est pas possible. Hunter, encore? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais avec un bras, une balle dans le bras, pas mal. Ah, c'est bizarre. And, dis-moi, est-ce que tu n'es pas un petit peu dans la merde? Oh oui, Hunter, tu es en train de perdre. Ça alors, c'était pas prévu. Eh bien, moi je sais pourquoi tu as sauté. Parce que j'ai une autre preuve. J'ai pas de preuve. Mais bien sûr, il aurait fallu être fou. Mais pas pour toi. Parce que t'avais une raison. Et ouais, mais quelle était cette raison, tu vas me demander? Eh bien, je vais te dire que c'était... Eh bien là, je joue mon âme, je joue toute ma vie, parce que la réponse, c'était le diamant. Prends ça! Deux milliards de boules, c'est pas... C'est pas... mobile suffisant. $2 millions dans la flotte. Elle vous laisse les garder pour sa gueule. La sale petite. Non mais où? On partage. Puis à sa sœur de faire pan. Et elle a sauté dans les rapides. Ah, symbolique talent, ça y est, elle s'est retournée. Elle s'est retournée. Le regard macabre. Pleine de tristesse. Oui, Hunter, non, non. Non, mais tu fermes ta gueule. Bien sûr, j'ai une preuve. Avec l'aide de sa sœur. Et ouais. Ça fait je sais pas combien de révélations, de twist, de tout ce que tu veux. Eh oui, c'est bizarre. Eh oui, c'était de tout avouer.
Exact. Bah dis donc, Hunter, c'est l'IA. Ça, c'est cool. C'est incroyable, n'est-ce pas? Eh oui. Révélation. Eh ouais. Trop de twist. Et elle rigole. Elle rigole. Oh, ça y est. C'est véritable nature. Mais t'es pas obligé de me gueuler dessus. Hein. Calme-toi. Oh. Ah, merci. Ah, j'ai des preuves. J'en ai plein. J'en ai tout un sac. Ben ouais. Fomenter, ça existe. Je ne sais pas. Eh bien, je vous dis oui. J'ai envie de te lire dans ton fion. Je ne sais pas. Et arrête de me gueuler dessus. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, elle m'a traité de stupide. Ça va chier. Ok. Moi j'ai simple, moi je sais. Non, pas d'accord. Un instant, je suis pas d'accord. Tiens. Mais ne serait-ce pas une réutilisation de la première affaire de l'épisode 1 du premier procès de Phoenix Wright? Ça alors, réutilisation, hein, quatrième mur, tout ça, des révélations. Et là, Diego, le main character, nous dit la révélation. Bah ouais, moi j'y pensais au témoignage, mais le jeu a priori, il a dit non. Sacrée question, mais qui est-ce? Je ne sais absolument pas. Un instant. Effectivement. C'est Flare Mer. Monsieur Hunter, doute, se marre et se fout de la gueule. Je suis concentré. Je suis overpower. Michael ou... Non, il a rien écouté. Elle vous a menti. Elle est en vie. Se servir de toi. Pour le million de boules, ce que tout le monde ferait. Tiens, ça me rappelle l'affaire du premier épisode. Mais dis donc. Où est Dahlia? Ils ont switch de place en une demi-seconde. Comment? Règlement de compte?
Arrête de manger ton boulet, t'auras peut-être la gorge moins sèche. Le dernier témoignage. Suspense de fin. Oui. 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 Moi. Objection. Putain, mais Hunter, la ferme. Je suis pas d'accord. Ok, dis go. Go. Ouais. M'en fous. Oui. Je joue ma dernière preuve, celle que tout le monde a vue il y a moins 5 fois depuis cette affaire. La photo du témoin. Parce que tu mens. Et parce que... Objection ! Objection ! Et même c'était ça. C'est faux. Oh mon dieu, il pleure. Un sprite qui pleure. C'est tellement beau. S'il était en train d'attendre qu'il n'y ait personne, alors pourquoi est-il sur le... pas le bout du pont. T'es bien Hunter, tu sais lire une photo. Tu sais regarder une photo même. Parce que lire une photo, ce n'est pas possible. Une écharpe. Oh ben, oh, ça alors. Mais c'est tout à fait bizarre, dis donc. Ne serait-ce pas ce même item qui a servi à prouver cette culpabilité. Oh. Bien sûr que non. C'est bien Hunter comprend. Ah ouais ouais ouais. Et ouais mon gars. Vous mentez. Oh il pleure. Florimet, réponds. Allô, Florimet. Il se donne la mort. Très bien, il se mord la langue. Il décède, nom de Dieu. Pas du tout, Hunter, t'as perdu, hein, t'as perdu. Ça alors, mais c'est incroyable, que des éléments qui reviennent dans l'épisode 1.
Fleur aimée, fais pas ta pute. Et il décède en disparaissant et en tombant par terre. Ouh, magnifique sprite. Et là, ça fait un The World. Et tout s'est arrêté. Et Melissa Foster dans tout ce merdier. Les Hunters s'en battaient les couilles. D'accord, donc là, épisode triste. Tristitution. Et lui, il est content parce qu'il sourit. Mon Dieu, c'est beau. Pendant ce temps, dans le présent. Voilà, dans cette affaire-là que nous allons faire en épisode 1, qui aurait dû être à cet endroit-là, ce qui est stupide. Je reloue cette affaire par contre, je suis déçu. Et là, oh, magnifique image, elle monte. Coupable, cool. Elle s'en est contrairement, elle s'en est complètement foutue. Elle en avait rien à faire. Je m'en foutisme sur 20. Quelqu'un, et on ne le saura pas parce que c'est fini. Et je continue à dire que cette affaire, et donc le dernier chapitre, normalement c'est le pont des volte-face. Cool, je continue à dire que l'épisode 4 devrait être à la place de l'épisode 1 et inversement. Voilà, non, parce que voilà, on se perd. Moi je me suis perdu, et donc là on a une Hunter délicieux. Mon Dieu, regardez-moi cette terre de vin karma qui lui va à moi, si, quand même à Vermeil. Donc du coup, on a quasiment tous les main caractères du jeu. Et donc la logique voudrait que l'épisode 5, ce soit Phoenix Wright, s'il vous plaît. Et donc là, nous avons toujours le palais de justice, la scène qui s'est passée il y a 5 ans, des cailloux avec une valise, peut-être un terre avec sa valise, et le corps de la victime. Voilà. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de laisser un like, de commenter la vidéo. Si c'est la première vidéo que vous regardez, d'aller checker le contenu que je produis. Et si ça vous plaît, de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter. Bon jeu et à la prochaine.